de Carmucho, avec Ranco qui est ensuite troisième. Mr Bean est quatrième à la corde. Joe Pickett, le favori, vient en quatrième position devant le numéro 1 Cleveland, avec à l'arrière Supervisor, devant CQ, devant également le numéro 9 Robinson et Blue Park qui est toujours à l'arrière-garde. Les concurrents qui vont sortir le tournant final et aborder la dernière ligne droite, avec le numéro 2 Bago Prince qui a le meilleur, mais qui est attaqué par les deux représentants de Jérôme Reynier, à savoir Ranco, mais surtout Joe Pickett, le numéro 4 maintenant, qui est lancé et équilibré à l'extérieur par son partenaire Grégoire Legras. Joe Pickett qui accélère, Ranco lui oppose une belle résistance pour le moment, mais Joe Pickett a fait certainement la différence. Joe Pickett, le numéro 4, qui se détache et qui va triompher. Joe Pickett, le numéro 4, qui va s'imposer pour sa deuxième tentative. Ranco sera deuxième. Le 8, Carmucho, prendra la troisième place aux dépens du 2, Belgo Prince.